Il a changé nos perspectives. Il a changé notre façon de voir les choses. Il a changé notre vision de l'univers. Si j'ai apporté ma contribution à l'astronomie, c'est pour y introduire l'idée de la couleur, pour la colorier. David Malin, astronome, photographe, transmetteur. C'est le type de coloration que vous allez voir. Il ne s'agit pas de couleurs artificielles, ce sont les vraies couleurs de la nature. Son porte-carte cosmique. Vous marchez dehors dans la nuit, vous ne pouvez pas voir les étoiles à cause de cette lueur orange dans le ciel. Et d'après moi, c'est vraiment grave, car le ciel nocturne a été un stimulant très puissant pour notre espèce, dès son origine. Il ne fait aucun doute que David apporte une contribution de tout premier plan à la photographie astronomique depuis 20 ans. On le considère partout comme le meilleur spécialiste au monde. David n'est pas un sportif. Il ne recherche ni les honneurs, ni les médailles d'or. David recherche la perfection. Il fallait toujours tout lui expliquer, minutieusement. Et finalement, vous réalisiez que vous ne saviez pas de quoi vous parliez et qu'il était temps de mettre vos divagations au point pour être en mesure de satisfaire cet ingénu qui posait de si fichues questions, en fait très pertinentes. Le territoire australien. À l'extrémité est du pays, sur les monts Warumbungle, un grand télescope. Une région idéale pour observer les étoiles. Les ciels non pollués de l'hémisphère sud, loin des lumières de la ville, avec 60% de chance d'avoir un temps clair. C'est le plus bel endroit qu'on puisse imaginer pour un observatoire. Étant relativement bas, il est entouré d'arbres qui le rendent plus chaud, plus accueillant. Et bien sûr, le soir, au coucher du soleil, les kangourous descendent jouer ici, sous la coupole. On peut donc aussi bien admirer le couchant qu'observer les animaux sortant pour leurs ébats nocturnes. En même temps qu'on regarde le soleil glisser vers l'ouest, on a l'impression d'entrer en totale communion avec le monde. Il va y avoir une obscurité parfaite, une nuit claire, vraiment bonne pour commencer une séance d'observation astronomique. Voici l'œil que David Malin portera sur l'univers pendant deux décennies.
le télescope anglo-australien de New South Wales. Si on le considère comme un appareil photo géant, le télescope anglo-australien fonctionne comme une lentille immense, bien que ce soit un réflecteur. Sa longueur de focale est de 12,70 m, ce qui est très impressionnant. Imaginez ce truc vissé à l'extrémité de votre pentax, par exemple. Mais il fonctionne aussi comme un f3.3. On peut donc imaginer qu'on a un téléobjectif de 12 mètres de longueur de focale à f3. C'est un instrument vraiment très puissant. Le logement du miroir principal. Malin est comme un astronaute dans sa capsule. Au-dessous de lui, un miroir gigantesque d'au moins 13 pieds de large, soit 3,90 m. Le miroir recueille la lumière de l'étoile et la renvoie à un foyer situé à l'intérieur de l'instrumentation de Malin. Décollage pour une nuit parmi les étoiles. Voici une photographie de base. Les techniques datent du 19e siècle. Malin n'utilise pas de pellicule, mais des plaques en verre. Le télescope et sa coupole ont les dimensions d'une cathédrale. Dans sa cellule, Malin tourne le dos aux étoiles. Au-dessous de lui, le miroir est pointé vers la cible de cette nuit. L'image finale de Malin sera un assemblage de plusieurs expositions en vert, rouge et bleu. Selon la faiblesse de l'objet, ces trois expositions peuvent demander 5 heures. Il faudra peut-être 3 nuits, à des années d'intervalle, pour photographier la galaxie la plus faible. Un travail difficile, exposé au froid, mais qui procure des satisfactions. L'observation est un beau mélange d'expériences qui toutes vous inspirent. D'abord, on est assis sous les étoiles et au-dessus d'un magnifique produit de la technologie, un instrument tout à fait extraordinaire qui vous appartient pour la nuit. Et puis, dans le logement du miroir principal, il y a un haut-parleur qui diffuse du Bach ou du Beethoven. Et c'est très prenant à entendre sous la coupole la nuit. Non, c'est vraiment une très belle expérience. Les images de l'univers prises par David Malin sont uniques. On les voit à la télévision, sur des t-shirts, dans les livres et revues spécialisées, sur des posters et des timbres-poste. Dans le monde de la photo, c'est Monsieur Univers. Mais en quoi ces images sont-elles si spéciales? D'abord et avant tout, il n'utilise pas de pellicule. Ces prises de vue ont été obtenues avec le même télescope. Comparez celle-ci sur pellicule couleur ordinaire et celle-ci de la même région à partir des plaques de verre en vert, rouge et bleu. Un régal de détails et de couleurs. Cette image en noir et blanc a été faite à partir d'une plaque en noir et blanc, mais saisie simplement en lumière verte. Celle-ci est la même information, mais saisie en lumière rouge. Vous pouvez constater la différence sensible entre les deux. Il s'agit à l'évidence d'une partie vraiment rouge de l'objet. Or, ce n'est pas si rouge. Si enfin on prend une photographie en noir et blanc qui saisit la lumière bleue, voilà, ça ressemble à ça. Ainsi, sur ces trois images différentes, on a toutes les informations souhaitées pour reconstruire une photo en couleur. Quand on fait ce travail en chambre noire, on arrive à la fin à une photographie en couleur telle que celle-ci, vraiment éclatante et pleine d'intérêt, mais totalement impossible à obtenir avec une pellicule couleur ordinaire.
une image de la splendeur des galaxies, avec la célèbre nébuleuse de la tête de cheval. Pour certains, il s'agit d'une œuvre d'art, mais elle n'a pas été créée pour cela. En la réalisant, je l'ai considérée comme un document scientifique. En fait, c'est un très bon exemple d'image en couleur, à partir de laquelle on peut induire des conclusions scientifiques d'une manière indépendante. Une des images en couleur que j'aime particulièrement est celle de la région de la nébuleuse d'Orion, proche de la tête de cheval. Sur ces photos très détaillées, on peut bien distinguer les nuages de gaz tourbillonnant dans l'espace et les flèches lumineuses de matériaux qui s'en dégagent. On a vraiment l'impression de saisir les mouvements de tout ce qui parcourt l'espace, de sentir les étoiles chaudes en train de brûler leur gaz. Dans le cas d'un objet comme la nébuleuse d'Orion, l'image qui vient à l'esprit quand on observe sa trace photographique est sans doute la flamme d'une bougie, une sorte de forme convexe. Quand David Malin a fait intervenir sa magie sur cette photo, on a pu constater qu'il s'agissait d'une surface concave, enchâssée dans une structure plus grande. En fait, le phénomène avait été scientifiquement présumé. Mais faute de preuves matérielles, les astronomes ne l'avaient pas vraiment accepté, puisqu'ils ne pouvaient pas le vérifier. Aussi, quand David montra ces images, on a pu voir physiquement le phénomène. On y a cru enfin, et il n'en a été que plus saisissant. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai éprouvé en voyant cette image. La brillante nébuleuse d'Orion est sur la droite. La tête de cheval est dessous, à gauche, protubérance noire et ténue. La nébuleuse d'Orion, de près. Nébuleuse signifie nuage. Des étoiles sont nées de son gaz et de sa poussière. Leur lumière met 15 000 années-lumière pour atteindre les lentilles de Malin. En d'autres termes, la nébuleuse d'Orion est à 15 000 années-lumière de la Terre. Au-delà des 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, il y a deux galaxies satellites. Ce sont les nuages de Magellan. Ils se déplacent ici, vers le centre de l'image. En 1987, le grand nuage de Magellan a fait les gros titres des journaux. À l'intérieur du nuage, une étoile, auparavant faible, était devenue 10 000 fois plus brillante. Pour la première fois depuis l'invention du télescope, des astronomes avaient repéré une supernova dans les environs. Une étoile géante, sans doute 20 fois plus massive que le Soleil, avait explosé. Malin a saisi son image. C'était la première supernova visible à l'œil nu depuis l'année 1604. Pas étonnant que les astronomes aient été si excités. C'est un flash cosmique. Voici une image de la future supernova, prise en 1985. Et voici le même champ stellaire, photographié en 1989, après l'explosion de la supernova. La seule différence entre les deux images est cet anneau très pâle ici. Tout le reste est identique. Je peux faire une copie positive de cette image et la superposer à l'image précédente en effaçant tout ce qui n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'anneau de la supernova, l'écho de la lumière. Ce dernier s'étendant avec le temps, on peut le photographier à quelques mois d'intervalle et prendre les premières images d'un film à séquence dont j'espère qu'il continuera pendant environ 150 ans. Après quoi, on devra obtenir une jolie séquence montrant le passage de la lumière à travers le matériau interstellaire. C'est une occasion en or pour trouver exactement où est le grand nuage de Magellan dans l'espace en trois dimensions et où sont exactement ces nappes de poussière qui nous intéressent tant. On aura ainsi une très bonne idée de l'espace tridimensionnel pour la distribution des particules entre les étoiles. Situés à 170 000 années-lumière de nous, ces échos d'une supernova sont antérieurs à l'homme de Néandertal. Par ailleurs, l'autre chose intéressante est que je n'ai pas seulement une plaque de la région de la supernova avant son explosion, mais en fait trois prises, en lumière rouge, verte et bleue. On peut les assembler et obtenir une photo couleur de la lumière issue de la supernova. Le jaune de ces anneaux est la vraie couleur de la supernova au maximum de son éclat, et c'est la preuve que c'est vraiment un écho de sa lumière. Un chef-d'œuvre de Malin.
Notre observation photographique de la supernova, à une phase très précoce, a appelé l'attention sur l'étoile elle-même avant l'explosion. Et quand on s'est aperçu de celle-ci, on a réalisé que des observations intéressantes avaient déjà été faites longtemps auparavant. Première surprise, c'était une étoile bleue. Or, d'après la théorie, toutes les étoiles explosant en supernova devraient plutôt être des supergéantes rouges. Ainsi, pour la première fois, on fut en mesure de dire « Ah, ce type d'étoile peut produire une supernova ». Notre propre galaxie, la Voie lactée, est jonchée de linceuls de grandes étoiles mortes. Voici une photo de Maligne de la nébuleuse des voiles, les résidus d'une supernova qui explosa il y a 30 000 ans. Une des photos couleurs que j'aime particulièrement est celle des restes de la supernova de la nébuleuse des voiles. Voici un gros nuage d'un gaz très ténu, mais en expansion, qui s'est échappé de la supernova qui a explosé, il y a 30 000 ans, et qui continue de se répandre dans l'espace. Toutefois, en prenant des photos couleurs, on y voit infiniment plus de structures, car les traces d'ondes de choc et de fronts d'ionisation différentes y prolifèrent, ainsi que plusieurs objets issus de l'explosion d'origine, telles ces magnifiques traces violettes et rouges. Visible uniquement depuis l'hémisphère sud, la spectaculaire nébuleuse de la Carène. C'est ici que Maligne espère prendre une autre supernova. Il est en train de regarder une supergéante, Eta Carina, plus de 100 fois plus massive que le Soleil. Cette image boursouflée donne l'impression que l'étoile est en train de perdre du matériau, signe d'une autodestruction imminente. Et depuis le télescope spatial Hubble, encore plus évident, les tourbillons de nuages qui précèdent la supernova. En cas d'explosion, Eta Carina pourrait être aussi brillante que la pleine lune dans notre ciel. La région des lacs en Angleterre. Pour David Maligne, une demeure spirituelle. En Australie, il n'y a rien qui ressemble à ça, rien qui en ait la richesse. Cette vaste étendue d'eau, ces arbres, ces formes. Cet endroit est unique. C'est habité, mais pas abîmé. Ce paysage évoque quelque chose d'abouti, et vraiment, il me remplit de joie. La famille de Maligne a ses racines dans le Lake District, au nord-est de l'Angleterre. C'est ici qu'il a grandi. Un cottage sans eau ni électricité. Une maison que la technologie n'a pas touchée. Une vue sur les cheminées noires du Lancashire, berceau de la révolution industrielle. Maligne fut enfant unique, élevé dans l'austérité de l'après-guerre. Sa mère travaillait dans cette filature. Le cinéma local était tout ce qu'il connaissait de l'univers du cinéma. Il y travaillait comme projectionniste et animateur du bingo. Maligne quitta l'école à 15 ans, mais il poursuivit ses études à temps partiel dans ce collège technique. Pendant 7 ans, 4 fois par semaine, il étudiait la chimie, la physique et les mathématiques. C'était une nécessité imposée par son travail d'apprenti laborantin auprès d'une entreprise de produits chimiques suisse, GJ. Un travail qui l'amena à la photographie. Comme le dit Maligne, le résultat heureux des besoins en personnel d'un groupe en pleine expansion. Siba GJ, ainsi qu'il se nomma plus tard, a fermé, mais ce fut l'université de Maligne. Il se spécialisa alors en photo au microscope.
Il monta un labo photo où il appliquait la physique et la chimie aux procédés photographiques. Mais au bout de 18 ans, il fut temps de changer. Il se rendit à Sydney pour réorganiser le labo photo de l'Observatoire anglo-australien. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire en Grande-Bretagne. David n'aurait pas pu devenir le personnage de tout premier plan qu'il est s'il était resté ici en Grande-Bretagne. Nous sommes restés une société très cloisonnée. Un ouvrier reste un ouvrier. L'Observatoire anglo-australien est une très petite unité, très décontractée à la manière australienne. Bien que je n'ai aucune qualification formelle pour faire de l'astronomie ou de la photo astronomique, le seul fait de me présenter et de me montrer capable d'en faire a suffi pour que je sois accepté. Cela n'aurait pas été aussi facile en Angleterre, où les choses sont plus hiérarchisées et formelles. Je pense qu'en Grande-Bretagne, le budget consacré aux sciences est insuffisant depuis une quinzaine d'années. Il y a continuellement des réductions en astronomie. Je le tiens de collègues. Dès qu'ils en apprennent une, ils s'arrangent pour continuer quand même leur boulot, et puis une autre arrive, remettant encore en question tout leur travail. Non, c'est épuisant, ça leur sape le moral. Et d'après moi, cela ne concerne pas que l'astronomie, mais tous les domaines des sciences au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je suis citoyen australien. Je pense que c'était la moindre des choses à faire. Je me suis engagé vis-à-vis de ce pays, et en un certain sens, ce dernier s'est engagé vis-à-vis de moi, en m'offrant un boulot vraiment extraordinaire. Les images prises avec ce télescope, le Schmidt anglais, furent les premiers pas de Malin en astrophotographie. Le Schmidt a un miroir de près de 4 pieds de large, 1,20 m. Il n'a pas d'oculaire. Il a été conçu pour la photo. L'appareil est chargé avec une plaque en verre sensibilisée de 14 pouces carrés. Le processus de sensibilisation a été mis au point avant l'arrivée de Malin. Le directeur de l'observatoire, Russell Cannon. En fait, le télescope Schmidt est le pionnier de toutes ces techniques modernes d'hypersensibilisation des plaques pour la photographie astronomique. L'hypersensibilisation est un processus auquel on soumet les plaques dès qu'Eastman Kodak nous les envoie. On les met pendant quelques heures dans un four à chaleur modérée, sous un flux d'azote qui les sèche. On leur donne ensuite une dose d'hydrogène. L'hydrogène accélère la vitesse des longues expositions par plusieurs facteurs. Sous bien des aspects, ce gaz a permis la photo astronomique. Le Schmidt britannique est le grand angle de Malin sur le cosmos, révélant les ciels comme si nos yeux étaient 100 fois plus sensibles à la couleur et à la lumière. La couleur manifeste l'âge, la température, les dimensions et la composition des objets célestes. Une image Schmidt des Pléiades, les sept sœurs, ces jeunes étoiles qui réfléchissent du bleu dans une nébuleuse de gaz et de poussière. Ces vues détaillées sont dues au grand frère du Schmidt, le télescope anglo-australien. Ici, des étoiles brillantes, enchâssées dans la poussière, donnent un reflet bleuté à la couronne australe. Autre image anglo-australienne, une nébuleuse d'émission. Voici la constellation de l'Aigle. Des étoiles qui brûlent à de telles températures qu'elles excitent l'hydrogène dans le nuage environnant. Il brille d'un rouge éclatant. Le cône, un doigt noir de poussière qui se détache sur l'hydrogène flamboyant de la nébuleuse d'émission. Là, un troisième type de nébuleuse, une nébuleuse noire. Des nuages denses de poussière balayés par des vents stellaires à travers la constellation du Scorpion. La tache noire n'est pas un trou dans l'espace, mais une nébuleuse noire parmi les millions d'étoiles du Sagittaire, vue en direction du centre de notre galaxie. De jolies images, mais surtout un travail scientifique inestimable.
Voyez comme les phénomènes interagissent. Des parties d'une image renvoient à d'autres. Et à travers l'image globale obtenue, on comprend scientifiquement le processus.